Oups. Ah oui, les trackers. Ah, les deux. Alors, les deux l'ont préparé, ça, c'est bien. Moi, j'ai pas besoin de rouvrir Discord. Parce que je vous avoue que la Discord, si je l'ouvre, tout fond, là. Je pense que mon ordi fond. Attendez, il est où le Discord? Ah, il est là. Je vais le mettre nulle part. Si je le mets quelque part, c'est mort. Ok, c'est bon. Quel numéro est ok avec le start? Ici, il est, je ne sais pas. Oh là 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 là. Non, mais c'est du bonheur. Hein. Alors après, le truc, c'est qu'on va avoir un énorme délai avec Bilibili. Alors, du coup, ça va être assez particulier parce qu'on va prendre plutôt le client Racing Plus, du coup. Mmh. Et sans que ça marche, bien sûr. Ouais, il y a eu un match avant alors que c'est pas terminé. I open it. Incroyable. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, pourquoi on dit ça? Hein. En tout cas, match du premier tour. Hein. Alors pourquoi pas fini? Parce que Narium était. Narium est souffrant. La priorité à la santé avant tout. Hein. Nous ne sommes pas des monstres. La priorité à la santé et à Zone Star. My bad. Bien entendu. Bien entendu. Ah, il y a 4 secondes d'écart, ça va. Je vais faire un peu plus chez Calimero déjà. Calimero. Alors, du coup, c'est très particulier parce que je suis en train de commenter sur l'overlay. Du coup, il y a 5 secondes d'écart, je crois, pour toi, Red. The best. Moi, c'est pareil, oui. Non, il y a 5 secondes d'écart, donc on va voir en tout cas. En tout cas, Missing Guy est parti. Oh putain. Missing Guess. Et on va l'appeler Missing. Missing est parti. Dans la bonne direction dès le début. Voilà, Calimero, miss, non voilà. Miss. Pitch. Miss Nay. Voilà. En tout cas, il est parti dans la bonne direction. Dès le début. Alors, pour avoir un peu testé. Alors, Calimero, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué contre lui. Il a participé au beat 1. Me fait supérieur. S'il vous plaît, je passe en hémotonie. Passe en hémotonie. Je pense que le monde aura besoin. Bref, pour avoir joué ouais, contre Missing. On va l'appeler autrement. On va l'appeler Bob, tiens. On l'appelle Bob. Pour avoir joué contre Bob. Il est vraiment pas mauvais, hein. Franchement il va vite. Donc bon on va voir. Je pense qu'il est légèrement favori contre Calimero. Honnêtement. Ouais. Ouais. Ouais, honnêtement, ouais. Il est bon, hein. Il est bon. Après, il y a un autre... En fait, la communauté chinoise est arrivée il n'y a pas longtemps sur Isaac, c'est important, quand même, de le dire. Et donc, il y a Missing Guest qui est arrivé. Il y a également Brother Chen, que vous allez voir tout le temps en tournoi. Brother Chen, honnêtement, c'est un très, 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 très bon joueur. Très bon joueur. Donc, on va voir. Et Curse of Guppy, hein. Ouais, et Calimero a chopé Robert Cement aussi, dans son item room. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ouais. Il faut se coller au mur, quoi. Que tu peux envoyer un message à Missing Yes pour dire que j'ai pas son tracker. Ah, je lance ça sur Discord. Non, peux-tu lui envoyer un message en MP? Ah, cool. Ah, je parlais sur le cul-de-sac là du côté de chez Calimero. Et effectivement, j'ai l'impression que l'écran de Missing Yes me corrobore ses propos. Calimero, il s'est joué. Alors, vous êtes méchant. Pas sans l'hématomie. Oh putain, ça c'est moi, je me bats. Guppy! Guppy! Et voilà. Bon bah, 1-0. Et puis là, un Guppy à 9 de dégâts, ça tabasse. Hein. Ça, j'ai envoyé un coin. Merci. Empereur, par contre, du côté de Cali. Pourquoi il prend Charmosan? Oh, vous êtes vampire. Non mais Calimero, ça suffit maintenant. Ouais, non, là ça sent le 1-0 hein, quand même. Malgré l'empereur. Hein. Mais là, Guppy à 9 de dégâts, c'est quand même pas mal avec Azazel surtout. Calimero qui joue avec les murs, c'est malin. Ça va aller vite. Oh putain, je suis ban. Je suis seulement ban de ça. Pas contre. Oh mon dieu. Campus. Voilà, un move call qui sert un peu à rien. Ouais, je trouve ça plutôt cool quand même.
Le Dimble. Alors le Dimble bien utilisé, ça peut être cool. Hein. Ouais. Et ouais, ce qu'il fait. Pizza, hein. Par exemple. Ouais, ce qu'il fait très bien. Faudrait qu'il l'utilise, oui. Voilà, maintenant faudrait qu'il l'utilise. Pour être utile. Je crois d'ailleurs c'est sa première partie. En tout cas, c'est la première apparition de Missing Guest à un tournoi inter. Je pense aussi. Ouais, ouais genre. Je suis sûr, on l'a pas vu avant. On a eu Robert Chen du coup à l'IOTR 2, on l'a vu pas payer partie. J'ai hâte de le voir jouer, en tout cas, notre cher Robert Chen. Même si. Wink wink, Zazima. Tout en intermarché. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien ce qu'il dit. On peut le ban. On peut le ban, ouais, je pense que. On peut le foutre dans un salon vocal tout seul. Textuel, tu sais, tout seul, il parle à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Oh putain. Faisons semblant de ne pas l'avoir vu. Ouais, faites pareil dans le chat, hein, s'il vous plaît. Ignorez-le. Tout à fait. Non, bon, en tout cas, énormément d'a... Ouh oh, du Shadow qui ne sert à rien. Ah oui, je l'aurais pas fait. Plutôt revoté. Ça va être un regret, je pense, que j'ai dash shadow. Complètement. Ah oui. Et pourquoi il garde ce trinket là? Un étage d'avance, en tout cas, du côté. Ah non, un moyen de caper les rares de Shiyan, ma bite, quoi. Ma bite. Après, rire à moi pour la santé. Je pense que tu devrais pleurer. Ça ferait de l'audience. Oui. Et montrer mes boosts. Ouais, et jouer à Don Sarge aussi. Je ne comprends pas pourquoi il a préféré garder son trinket nul. Ça augmente la taille des, de tout ce qui est anémique, tout ça. Ouais, genre Black Powder et tout. C'est pété. Complètement. Oh, la grosse run hein, chez Missing Yes. Oh, ça va être top 10, sans problème. Il est beaucoup trop drôle le rire de Shiyan. Ah, merci. Il sature aussi, mais bon. Fait partie de sa rare charme. Ah, merci. Au moins, j'en ai un. C'est... Ah, Kimero qui meurt. J'ai donc passé. Je lâche Shadow. Alors, on va voir, mais je pense que c'est pas la bonne idée. Parce que... C'est... Oui, Robert... c'est bien vu. Là. Non, mais Robert Cement, avec la Eye of Belial, c'est ça va. C'est pas trop mal. Ouais, mais c'est quand même moins ouf. Ah, c'est moins ouf, ouais. Et là, Missing Eyes, il est parti. Hein. C'est... J'ai arrêté de l'appeler Missing Eyes. Hein. Ah, mais la run, c'est fou. Je pense que ça va être le meilleur tour du beat, hein, pour l'instant. On n'a pas vu une run sub 9, je crois. Là, on va avoir un sub 8, je pense. On va avoir un sub 8, et ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, non, mais après... Un sub 9 pour un match de Calimero. Oh là, on a arrêté d'être méchant, donc... C'est la moustache. C'est la moustache. Bah après, ça corrobore ce que j'avais dit tout à l'heure, hein. Missing Guest, il est vraiment bon. Hein, pour, Après, j'ai rené contre lui qu'une seule fois, mais à chaque fois que j'ai... Bah, non, la fois où j'ai rené contre lui, c'était serré. Donc... Après, j'avais gagné tous mes matchs, je crois, contre lui, mais c'était pas une raclée, quoi. Pourquoi Beat Bannick of Isaac Tournament Edition. Acronyme. Et ouais. C'est pété. Édition numéro 2. Et oui. L'édition numéro 1 était en Bagnac avec des Français. Et là, l'édition numéro 2 est en Récipus avec des Inter. Et quand même beaucoup de Français, on va pas se cacher. Je crois que c'est moitié-moitié, en gros. Bah, t'avais prévu ça, oui. À peu près. Boîte. Non. Parce que après il y a mini beat aussi l'été. Là, l'année prochaine, ça sera le micro beat. Et ça, c'est beau. Ça va être ce but, quel dommage. Hein. Et puis, il y a Miro qui meurt. Je suis malgache. Mais pourquoi tu dis ça? Il y a eu beaucoup de dons pour le price pool. On est à une soixantaine d'euros pour le price pool pour l'instant. Donc oui, il y a eu un... Un gros chest en tout cas. Hein. Un gros chest de merde. Ouais. Ouais, il y a eu quand même quelques dons pour l'instant. Donc on fera le point plus tard hein, là-dessus. Après. Voilà. Il y a un price pool. J'ai décidé que là c'était un price pool parce que sinon...
On ne peut pas compter sur les autres, comme dirait quelqu'un. Donc, bon. Bah, après, si, je compte, mais je compte que sur votre argent, mais c'est principal. En tout cas, ouais, Missing Guy qui l'emporte. 1-0. J'ai. Après, c'est pour ça qu'on a capé le price pool à 300 euros. En tout, pour éviter de. Aussi d'avoir des tonnes et des tonnes d'argent pour un tournoi quand même de basse qualité. N'est-il pas vrai? Il est vrai. Il est vrai. Alors dis-moi si tu vois le tracker de Missing maintenant. Ah bah je vais te dire ça. Alors le perso déjà sera Eve. Ah. Ah, ça a l'air d'être bon. C'est update mais je vois rien. Donc bon, on va voir. Ah, c'est update, c'est bon. Eve. Ah, le fond putain de Your Choice, merde! Ah, Your Choice, d'accord. Je vais devoir tout casser. Comment c'est? Attention, c'est trop pas, vous allez tout voir. Ne faites pas gaffe au porno. Alors, Your Choice, donc, vous le savez. Ils peuvent veto ça ou pas? Non. D'accord. On peut le marquer sur les. Ils peuvent veto Eve, hein, mais pas le Your Choice. Hein. D'accord. Et vous pouvez voter ici. Je ne voterai pas. Alors, si c'est lucidé, c'est jusqu'à The Lamb. Si c'est lucidé, c'est jusqu'à Blue Baby. Dire si, c'est jusqu'à Blue Baby. Allez, bon, comme ça, en plus, je peux faire voir les résultats en direct live. Et ça, c'est bon. Ok, donc Missing est ok pour Eve. Oui, bon, je pense qu'ils vont, ils vont pas commencer à gueuler pour Eve. Hein. Je pense que... Sait-on jamais. Hmm. Ah, l'Uncidé qui est quand même plutôt aujourd'hui. L'Uncidé n'est pas voulu. C'est bien. Donc les gens ont du goût déjà. Étonnamment. Étonnamment. Moi, j'en vois le lien. moi je vois que Calibéron en CD, franchement. Je vais pas vous mentir. Ah bah vu de King, allez, je vote pour toi. Qu'est-ce que tu veux, King? Ah. On remarque un point. C'est vrai. Jouer les yeux bandés, on pourrait. Faudrait que je mette des positions. Okay pour... Le microbit l'année prochaine, ça sera des rounds pacifistes avec Keeper. Ah, il veut décider. Donc je vais décider pour Viking, hein. Je veux pas bien. En tout cas, on a 11 votes pour le Diversity. 9 pour le CD, je vais attendre encore un peu. Genre bourre, hein. Mais je pense qu'on est parti sur le Diversity. Diversity que Calimero affectionne particulièrement. Ah, ça reste du sarcasme, madame. Non, c'est vrai. Il aime beaucoup le Diversity. Intéressant. Pour une fois, je ne troll pas. Pour une fois. Ah, j'ai pas spam sur Bibi, c'est vrai. Mais... Attends. Vous allez tout voir, mais c'est pas grave. Ah, ça qui était l'histoire pour commenter. If Bibi wants to vote. Vous voyez mes conversations sulfureuses. Merde, bah non, mais elle met pas en plein écran! Mais quel con! Ah. Est-ce qu'il répond? Il répond pas. Vous voyez que je suis très ami avec le Red Mercury. Bonjour. Bon, je pense qu'on est parti sur le Diversity. Hein. J'attends juste sa réponse. Bon, après. Ah, il répond. J'ai mis Zazima Modo. S'il te plaît. Ce qui, j'avoue, était peut-être une erreur. Je l'ai fait aussi. Je l'ai unmod une fois. Ah, il est. Il n'a pas audience, donc s'il n'a pas d'audience, ok. Voilà, donc Missing Guest n'a pas de n'a pas d'audimat. Mis à part nous deux, probablement. Donc ce sera du Diversity en tout cas. Ouais. Diversity Blue Baby. Ah. Incroyable. Oh, oui. Hein? Blue Baby, pourquoi Blue Baby? Ah oui, d'accord. Ah, Diversity F pour Blue Baby, oui. Voilà, oui.
Il est pas au sommet du trône. Il est pas en Freddie Mercury, juste sous sa réincarnation hétérosexuelle. Ça n'a aucun sens. Ben oui, mais Zazima, c'est un ami. On est même amis sur Facebook, pour vous dire. Incroyable. Gênant. Eh oui. C'est gênant. Il a mon numéro de téléphone. Et il m'appelle même pendant que je fais des risques. Ah. C'est gênant. Ouais. Pour son petit prêt, Shigan hétéro, je viens de follow. Désolé pour vos rêves. Pour vos rêves humides concernant mon corps nu. Là, pour le coup, c'est gênant, tu vois. Un peu. Mais on aime bien. C'est cool d'être gêné. Ah, le numéro qui me dit OK. Oh, bon, oui, bon, de toute façon, il va falloir qu'ils joignent, hein, les deux. Hein. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Le vieux Orchus ne peut pas. De toute façon, les rulesets ne peuvent pas être veto. Hein. C'est ça. Hein. Et que les persos. Que les persos. Un seul, chacun. Pour ça qu'hier, on a une grande keeper. Hein. La chance. Ah, peut-être que le Racing Plus Calimero est en PLS. Ah. Ah non, c'est bon. Ah, pourquoi c'est Judas? Ah, faute, monsieur. C'est pas Judas. Ah oui. Ah, il n'est pas sur Discord, Calimero. Non, mais je pense qu'il y a eu un problème dans la création de la race, peut-être. Possible. Si les deux sont sur Judas, hein. Oui, les deux sont sur... Merde, ils vont starter. Merde. Ah. Merde. Attends, on va gueuler sur Discord. Attends, je vais dans le chat de Calimero. Ah, je crois que c'est bon. Ah, c'est bon, ils ont vu. T'as bien mis Eve, on est d'accord. Oui. Putain, c'est con, ils avaient un knife. C'est con, hein. C'est... Par contre, Missing Glass, il est parti. Hein. Attends, je vais envoyer une notif. There was a mistake. In the correct section. Ouais, t'as bien choisi Eve. Non, mais c'est pas moi qui crée la race. It's Eve. D'accord, ok, c'est le plan choisi. J'ai juste marqué sur Discord. Ah, il est totalement parti. Hein. Ah! Mais il est totalement tout parti! Ça tourne, merde! Et puis je peux pas me login sur Bilibili, donc Vetting, prête-nous ton compte Bilibili, s'il te plaît. Oh merde. Ah. Oh merde. C'est problème. Ah mais là il est parti, hein. Putain. Bon. Bon. je vous avoue que c'est gênant. Mais Kimiro l'a quitté la race normalement, donc il doit bien sentir qu'il est tout seul. En théorie, ouais, j'espère. Kimiro, as-tu quitté la race? Que fais-tu? Putain, je vais lancer le R+. Ouais, ok, nice. Ouais, je l'ai créé. C'est-à-dire, vraiment deux problèmes. Mais il est parti là. Est-ce que je peux me connecter? Oh là là, non, c'est terrible. Alors, si quelqu'un a un compte Bilibili, qui n'hésite pas. Non, mais franchement, je comprends. Je comprends rien. Ah, voilà. Je vous avoue que j'essaie de me connecter, mais non. Non. Ouais, non, faut lire là, au monsieur. Attends, je vais lui envoyer un MP. Ron Carac. Ah mais il s'arrête pas. Hein. Il s'arrête pas. Personne dans chez Bilibili pour lui dire, c'est trop con. Oh merde. Bon. Est-ce qu'on tente de créer un compte Bilibili? Je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Hein. Oh là là. Oh, c'est con, ils ont une bonne run en plus. Bon, attendez. Attendez. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de créer un compte. Et de le prévenir sur son chat. Enfin, après, est-ce qu'il regarde son chat? Oh non, mais non. C'est bien dans la race, c'est déjà ça. C'est tellement pas. Non, mais non, mais c'est impossible. Ça, ça a l'air d'être le pseudo. Oh la vache, non, mais je comprends rien. Bon, bah écoutez.
On aurait dû commencer Judas en fait. Passe un bon moment. Ouais, non, parce que là il est parti, hein. il va faire sa run. Hein. Je pense que là il est totalement parti, il va faire sa run. Bon bah on va pas les laisser faire la race hein, maintenant. Je pense qu'on va arrêter ça. Je pense qu'on va faire la race nous-mêmes. Bah là j'ai pris la race. Putain. Bon bah c'est gênant. Oui. Mais ce qui est étrange c'est que personne sur bilibili.com ne lui dit. Non mais après... Comment tu veux créer un compte là-dessus quoi? Y'a bien un clampin qui regarde ton stream, logiquement. Comment Ouais. Non mais il a pas d'audience, il a dit. Ah. Je vois pas. Non, je suis IAM, honnête. Est-ce que ça marche IAM? Puis il a pas vu Calibero c'était dans une barrière sous stream. J'ai essayé de créer un compte sur Bilibili, ça tourne mal. Je recevoir des pubs chinoises maintenant sur mon adresse mail, c'est génial. Merci le bit 2. Oh la vache, quoi. Je suis mauvais tout en plus. Ah non, mais en plus, il est dans le PT. Hein. Oh la déprime. Non, mais je comprends rien. Non, mais de toute façon, moi je dis que c'est la faute à Calimero. Oh, il a cru la mauvaise idée. Non, mais attendez, j'ai un truc. Qu'est-ce que je réponds à ça? Voilà. J'étais en mode, allez, je vais créer un compte sur Bilibili pour le prévenir. Non, mais là, putain. Mais c'est qui a créé la race? C'est Calimero? Je pense. Oh putain, mais Calimero, mais merde, attends 15 minutes à cause de toi. La strat de Calimero pour faire chier son adversaire. Ah, tu n'auras pas le point, je te préviens. Non, voilà, qu'est-ce que je réponds à ça? Bon bah voilà, hein, écoutez. Il va faire sa run et on va y dire. Bon bah ça servait à rien. J'espère qu'il a crevé quoi, au moins. Ça c'est. Bah tout ça, il va repartir. Putain. Ça va être infini. Ah, t'as un cric. Calimero, c'est Missing qui a créé. Oh là là. Ah. Ah, peut-être que Scare a réussi à créer un compte. Ah. Bon. Parce qu'il est vrai que Missing n'a pas répondu à mon message F Diversity. Non, mais moi non plus, il n'a pas répondu. Il voulait jouer Judas. Et non mais en plus il y a eu F Fine for You, il a répondu OK. Hein. Bon, bah voilà. Putain il a des cœurs en plus. Fais chier. Mais pourquoi il est deuxième, il y en a un qui reste contre lui. Putain. Non, je pense qu'il y a personne. Mais si, il est deuxième. Attends, j'ai F la race. Calimero, ne te mets pas prêt bien sûr. Ah oui, y'a un mec, Holo 7-0. Qu'est-ce qu'il fout là, ça? Putain. Bon. Disons con. Bon. Bah, non, mais là, on est parti pour qu'il fasse sa race, hein. Je pense que. Au pire, je joue contre Calimero. En attendant. Bon, que pensez-vous de cette journée, les amis? Ouais, je pense que tu peux lancer une petite run sur Dawnstar, hein. Ouais, je pense, hein. Ça me paraît bien. Petite coop là, vite fait. Mais Isaac, tout le monde s'en fout hein, maintenant, rappelez-vous. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il va peut-être perdre en plus. Contre le random. T'as pas l'air de foutre de moi. Voilà. C'est... Il parle à qui Calimero? Il parle à toi, Red? Je pense. Culé, Red. S'il perd au dit qu'il perd le prince, plus simple. Non, mais bon, écoutez. Donc voilà, enculé Red Mercury, quoi, j'aurais dire. Mais clairement. C'est de ta faute. Bon, il est où? Il est à Debze. Ouais, voilà. Ah, il a réussi ce qui est. Ah! Envoie le lien. Bah envoie le lien, mais quel lien? Bah le lien de son stream à Missing. Ah bah oui. Bah après, faut savoir s'ils sont au chat. Préviens-le. Dis-lui Roncarac. Aborte, il se trappe.
Boom Karak, oui, succeed to create an account to this. Ah, bah Julien qui rejoint la race, parfait. Oh, alors, barrez-vous. Je pense qu'il faudrait mettre en nom Bit 2, un truc comme ça. Est-ce que j'ai mis? En plus, mais putain, mais merde, quoi, les gens savent pas lire ou quoi? Mais putain, mais c'est pas vrai! Oh, j'ai tellement retweet ce soir, je crois. Oh putain! Le retweet! Oh non, non, mais Bilby, c'est. Et quand je dis que c'est sexy, Bilby, c'est sexy, non? Mais non, mais c'est. Je vois même pas le message dans le chat, je sais même pas où est le chat! Il est où le chat, putain? Non, mais là, il est parti pour finir. Ah, il va aller jusqu'au bout, ouais. Bon, bah écoutez, on aura perdu 10 minutes dans l'histoire, c'est tout. Je vois pas PUBG. tu peux lancer PUBG, je pense, dans le doute. En tout cas, on a un beau best-of, là. On a un beau best-of. Restream une petite cop sur PUBG avec Calimero, Massiste et Popoche. Ah. Non, je m'appelle pas Mipai, il est là depuis beaucoup trop longtemps. Et je n'ai pas un pseudo aussi viril que Mipai. Bon, mais s'il te plaît, ne foutre pas tes étages en plus. Putain. Non. Non, mais surtout, je pense qu'il va être content, il va dire ouais, j'ai fini premier, tu vois, non, mais c'était pas le perso. Et après, le troll ultime, ça serait qu'il y ait le Juta Diversity, tu vois. Ça serait le truc. Je vais être en PLS. Non, oh, putain. Je vérifie quand même, j'ai pas fait d'erreur dans la race, c'est pas problématique. Non, c'est bon. Non, mais là, j'avoue que. C'est emmerdant, quoi. Ah, bonjour, bah Julien. Bonjour. On s'emmerde quand même. Merci d'avoir quitté la race. Ah, Noro qui raconte quelque chose de vrai. Bon, bah il sera échauffé. Non mais oh, putain quoi. En fait le truc surtout c'est secrètement je voulais pas que ça se termine tard intérieurement. Là on a perdu un quart d'heure. Faut que demain je vais à la 6h du mat. Je vous assure que ça ne me réjouit pas. C'était pour compenser le match de sac énorme. Ouais, ouais. Non y a rien. Ah on voit qu'il joue pas trop mal. Hein. Bah, dans le sens, heureusement, ça va finir vite. Ouais. Bah, il reste deux étages. Je pense que il va tellement être en mode désolé sur Discord. Oh putain. Quart d'heure, c'est une chose, t'as bouffé une heure en énergie. Je me pose en. Oh non, non, non. Non, c'est bon. Non. Merde. C'est quoi ce tournoi? Un très beau tournoi sur Binding of Isaac. Alors, j'ai pas le rule set sur moi. Il y a Bracket, en tout cas. Bracket. Voilà le Bracket. Incroyable. Éclair chez Missing. Missing Yes, je sais même pas. Mais arrêtez de vous moquer de Kaino, bordel de merde! Ah putain! Dites, hein? Hashtag je suis Calimero. Ah, Calimero va tous vous faire mentir, il va gagner Bit 2. Je crois que le vainqueur de ce match a fait une Crafter Lynx. Ah! Bon, j'avoue que le match après va être compliqué pour les deux. Voilà. Mais bon. Tout est possible. Tout est possible, le sac a bien battu Crafter. Mais pourquoi il parle au caillouche lui? Putain. Après il va tomber en sorte, je suis malgache random. Bon. Eh oui, voilà. Oh putain. On aura perdu un quart d'heure, ouais. Incroyable. Je suis malgache, mais pourquoi? Non, il a pas perdu trop. Ha 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 ha
Non, mais non, Bibi, c'est au couple. Je suis totalement d'accord. Bon. Au mode du mapping pour chest. Ah, c'est là en plus, c'est que j'ai dit à un moment. Ah putain, c'est Judas. Je l'ai dit genre 15 secondes avant que ça démarre. Mais avec le délai de stream, je lui dis au moment même que ça a commencé. On donne le point pour Kali. Ah, c'est peut-être un peu exagéré. Oh, mais quel enfer, quoi. Et il a utilisé son piqueur. Ouais. Bon, trois salles à faire. Je pense qu'on va pas tarder à avoir le message en mode merde. Incroyable. Je devrais migrer sur Billy Billy. Bon. Mais il va terminer. Ah, et il est connecté sur Discord. Réaction en direct live. Je pense que... C'est chacun son tour. C'est un time attack. Ok. Alors, je vais mettre votre phase good show match. Good. Non, good skill. Nice. Aïe. Ah, on va voir commencer. Oh là là, j'en peux plus, quoi. Oh, mais tu es moi. J'aime Stinker. Kim. Non, mais ça, franchement, j'ai jamais vu. Hein. Dans un tournoi. Maintenant, c'est Kaimero qui est plus là. Ah, Kaimero. Hein. Non, mais il est là, Kaimero. Il est dans la race. Ah. Ah bon? Comme son stream, il affiche plus rien. Il est vrai. Ah! C'est bon, il est bougé. Parfait. C'est bon, la race est lancée. Bon, bah en tout cas, c'était cocasse, hein, cette histoire. Et là, on se tape un diversity bien nul. Oh putain, non, mais là, je suis en PLS déjà de base. Joueur Market Tears. J'ai mis sur PUBG. Allez, c'est parti. Oh, c'est nul. C'est nul. Bon, ça va. Ça pourrait être pire, mais j'avoue que... Oh putain, le combo Bouquet of Lard avec 4 cœurs et demi avec elle, c'est génial. Ouais, ça, j'avoue que c'est chiant. Que pensez-vous de ce, ce diversity dégueu? Excellent. J'ai eu l'appel. Et voilà quoi. Petits appels et besoin de fun, bien sûr. Appel, on sait ce que ça donne. C'est un père, toujours. Ah monstre. Ah non, plus de manette. Kaimero, non. Non. Est-ce qu'on peut reporter le match? Ah. Je pense que je rage quit le tournoi, hein. Je vous avoue que... Kaimero, non. Ah, alors qu'il y a cure dans, dans ma bite. Ah, alors que Kaimero... Ah non, c'est Missing Guest qui a start Sacred Art. Hein. Du coup. Oula, mais là, 70 000 VI, c'est un peu terrible. Je sais pas si Curdon veut rejoindre le Kantai. Ah, bah. Oh là là, oh Billy Billy. Oh regardez Billy Billy. Cette horreur. Oh, par contre, c'était chelou pour Kaimero. Là. Oui. C'est étrange. Pourquoi ce si bon nom de tournoi? C'est un acronyme. Allez, Curdon. Voilà. Bonjour Curdon. Voilà, que pensez-vous de ce match d'avant? Ah bah, je viens d'arriver et je suis extrêmement hypé. Ah, alors avant, y a Missing Guest qui a joué contre Missing Guest, c'était un beau match. Oui, je vois que déjà un mauvais personnage, plus après un problème de manette. On est bien. Je pense que c'est un beau match. Hein. Ah, il me dit oui. Alors le problème, c'est que si on attend que Kaimero résolve son problème de manette, il va finir sa run. Lui. Ah Kaimero, ah. Là, faut prendre une décision. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est bon. Oh putain, alors, mais c'est pas possible. Salut, mouette. Oh, j'en peux plus, ils sont en train de me tuer. C'est bon, c'est parti. Oh, j'en veux tellement plus. Sonnel Robs et DevTouch, tranquille. Bon, mais Singles, c'est une bonne run, de toute façon. Oh, putain.
Oh, j'en peux plus. J'en peux tellement plus. JPP. Ah, putain, oui. Ah, putain. Là, c'est dommage pour Caimero, parce que là, il vient de se taper quand même quelques étages de retard, du coup, de ça. Ouais, ouais, après. Il s'est allié à de la manette. C'est la faute à mettre, mais littéralement, cette fois-ci. Ouais. J'espère que ça va pas trop le désavantager. Hmm. Heureusement, parce que si, c'est un peu déjà trop tard. Ouais, ouais, ouais. Ah. C'est beau. Oh là là. Un match, en tout cas, de qualité avec assez peu de péripéties. Un match classique. Une soirée très classique, j'ai l'impression. Hein. Ouais. À propos pour Kimiro. Mmh. Donc ça start après. Le problème, c'est que je crois que Missing Yes, il a deux étages d'avance. Bah, du coup, ouais. C'est beaucoup. Par contre, il n'y a pas la War of Babylon. Hein. Ça serait cool d'avoir des Evil Deeds. C'est moi qui utilise pas sa pelle. Oh non, on fait pas pareil. Hein. Ah, merci. Non, mais, on sait jamais, Noro, parce que là, si Kimiro chope un Bomb the Void, il va aller plus vite. Ah mais non, qu'est-ce qu'il fait? Ah c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que non, mais je pose et... Voilà nos pieds. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on pensait qu'il n'y aurait pas trop de problèmes de personnages qui ne seraient pas utilisés. On s'est dit, bon allez, on va laisser les runners faire leur race. Je pense que c'était pas une bonne idée. Voilà, ça, on va juste dire ça. Donc non, non, on le fera maintenant. Moi j'ai été de le faire là, comme je suis sur un setup assez bizarre. Mais pour les raids, en tout cas, c'est quelqu'un qui va être utilisé. Brimstone, si, Kimiro. Si Red n'est pas là, je le ferai. Ah, Brimstone pour toi, c'est cool. Ouais. Ça peut catch up, ça va être compliqué, mais. Ouais, il y a deux étages. Hein. Ouais. Après, il y a une pelle, donc à savoir comment la pelle va être gérée. Hein. Va falloir traîner. Et décide de tout skip, du coup. Parce que c'est lucide. Ouais, il n'y a pas trop de choix. Ouais. Et il skip tellement tout qu'il a même skippé la vie. C'est beau. Et qui se retrouve en War of Babylon. Quel est le pseudo Twitch de Missing Eggs? Ah, c'est Bilbili. Ah, c'est bienvenue en enfer. Ah. Moi, il a une run cool, Missing Eggs. Hein. Quel mur m'a fait peur, hein. Parce que Envy, je crois que c'est un quart de dégâts. Ouais, je suis question sûr. Mm-hmm. M'a fait peur. Ah, les Evil Deeds chez Missing Yes. C'est pas terrible. Non, c'est... On va me dire, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Ah, mais en plus, le post-play, il déconne complètement sur Billy Billy. Ah non, mais Billy Billy, tu touches pas. Hein. C'est... Oh, là, là. Mais ce truc, c'est le cancer, hein, je t'assure. En fait, ah refresh pas. Quoi? Quoi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ne crie pas comme ça. Quoi? Il a pas pris de Paula? Il a pas pris le pola, il a utilisé la pelle. Po ah. Go Calimero, go. Oh là là. Calimero, qui peut win. Go Calimero. Je vais te quit. J'en peux plus. Tu peux le faire, Calimero. Il a pas... What the fuck. Putain. What the fuck. Oh, je pleure, non. Non, mais je pleure vraiment. Ça n'est pas rendu compte, du coup, Calimero peut voir. Ouais. Si Calimero trouve de la vie... Oh, ça se termine à 4h du mat', c'est génial. Oh, c'est cool. Oh, putain. Ah, Calimero est mort. Oh, j'y peux plus. Oh, putain, non. On va aller avoir mieux de te run. Il peut aller au chess en faisant The Off. Oh putain. Non, mais qu'est-ce qu'il dit, putain. Lil Pouim, les bons starters. Les bons starters. Mais non, mais il peut pas aller au. Il peut pas aller. Il peut pas. Oh merde, voilà. Voilà. Putain. Oh mais merde. Je pense que ce match, c'est le meilleur match du beat. Oh merde, quoi.
Tu as dit qu'il restore Twin Brain, du coup. Non, mais Blue Baby ou pas Blue Baby, il faut le Pola. C'est... Il faut le Pola dans son site. Il a pas le Pola. Il a pas pris le Pola. Ça. Bah, l'objectif, c'est Blue Baby, du coup. Ouais. Il est obligé d'avoir le Pola. Ah, des raisons de qualité, j'irai peut-être pas jusqu'à là, je vais pas te le cacher. Là, pour le coup, putain, il a pas son début de deal, on va se faire chier. Oh, ah ouais, non. Ah, putain. Bon. On peut repousser en passage. Non, on va le faire, c'est pas grave. Indubitablement bien match. Oh, ouais. Il y a 3 matchs ce soir. Oui. Ah, d'accord. Ah. Oui. Demain, je lève à 6h, tout va bien se passer, tu vois. C'est bien. Oh, ça va. Ça passe. T'es gâté. T'inquiète. Mais à quel moment va-t-il se rendre compte qu'il a fait mal? Bah, Isaac. Il fait Rocket League, j'arrive. Dis donc. Ah non, c'est pas 30 minutes, Nicky, c'est 20. C'était pas un halo. Quoi? Bah, il aura que un coffre et pas un halo, quoi. Ouais, il aura qu'un coffre, normalement. À moins que ça ait été changé, mais ça m'étonnerait, quoi. Non. Non, j'ai fait la boulette il y a pas longtemps et non, ça a pas été changé. Bon, voilà. Enfin, j'ai pas fait la boulette, j'ai tout misé sur le Undefined, mais... Ouais, je crois que ça avait fait pareil pour moi. Mais non... Quelle tristesse. Bon, après, il faut que Calimero... Ah, et Vucesco, en gros, maintenant... Bah ouais, c'est ça. Je trouve que c'était une vraie stratégie de sa part. Ah, des betrayals, ouais. Ah bah, Calimero, c'est l'enfer, hein. Non, mais je crois que demain je vais leur faire ça. Hein. Franchement, je joue. Juste sans les brimes. Putain. Tout va bien. Tout va bien. C'est... Et du coup, est-ce qu'on peut récapituler le match d'avant? Alors, ce qui s'est passé, le match d'avant, pour ceux qui n'étaient pas là, Narium et Sack se sont affrontés. Sack menait 2-1. Narium a dit JPP de ma vie, faut que j'aille me reposer. Donc, on reporte le match. Hein. On reprendra demain. Ah! Et là, Missing Guest qui va regarder. Il va se rendre compte. C'est combien de temps, Max? Les Vice, les participants qui ne regardent pas les règles. Incroyable. Oups, j'ai glissé. 20 minutes, les règles. Ouais. On peut remercier Scare d'avoir tenté l'impossible. Se connecter sur Bilibili. Bravo à toi. C'est pas possible, quoi. J'ai l'impression qu'il y a 128 viewers chez Missing Yes. Je sais pas. J'ai pas envie de savoir. Je t'avouerai que... Mon japonais... Chinois, monsieur. Chinois, mais monsieur, oh hein. Hey. Ah, ça du chinois. Soyez précis. Ah, mais oui, s'il vous plaît. On dirait. Bon, le mec a l'air plutôt... connu dans le milieu. Bientôt ça va être le drame. Dans le milieu de la fabrication de chaussures, évidemment. Ah oh, putain. Voilà, là, terrible. Et, oh là là, fini. Terrible désillusion. Eh ben non. Oups. Ah, il y a un oups. Ah voilà, oui, ça a rendu content. Allez, donc là, la race n'est pas finie, donc ça reprend et on va aller 20 minutes, je pense. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a personne dans son chat qui lui a dit ouais, il n'y a pas le chat de qualité. Je sais pas s'il est sur le chat ou juste y a personne, tout le monde s'en fout, je ne sais pas. Peut-être que tout le monde s'en fout. Hein. Ouais. Dans ce temps, Kimiro a vraiment une règle de merde. Ah, il y avait un cercle d'art. C'est con parce que là, il aurait pu win du coup. Ah oui, mais il aurait totalement envie. Et le problème, c'est qu'on sait même pas s'il va pouvoir aller au bout avec ça. Hein. Ah, la Queen of Light qui n'est pas active. Allez, Brim. Ça reste assez compliqué. Hein. Il va falloir quand même qu'il trouve quelque chose. Déjà, normalement, il devrait avoir son devis de deal. Il a
Ah, faut pas se retoucher par contre. Le problème c'est qu'il est... il a pas sa Chrono Flight. Le DD. La Chrono Flight, War of Babylon, pardon. Voilà, avec cette run, tu oublies un peu la... Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Sauf si tu chopes pas banane. Ouais, en bref, soit il y a un truc dans le boss rush, ou soit ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense. Parce que là, il a que Lindbrim. Ah, Ryzen Sipper, on est d'accord. Après, il faut vraiment qu'il joue le sous-marin, qu'il passe Isaac. Voilà. C'est après, faisable. 6 minutes encore. Ah ouais, c'est faisable, mais... faut être solide, quoi. Il a trop pédé. Il reste Womp 2, il a KT. Il doit restart, il reste 6 minutes. Hein. Ça va être chaud quand même le restart. Hein. Oh là là, le boss rush est nul. Bon bah voilà. Nul à chier. Faut arrêter ce Inca numéro. Oh, et puis en plus, il le pèle. La France croit en toi. La France, madame. Car c'est notre projet. Eh ouais. L'appel c'est bien, mais voilà. Le problème, faut c'est pas que... en abuser. Ah oui. Là, il aurait clairement dû essayer d'attraper un peu de stuff plutôt que de remettre un coup de pelle pour passer de bombe 1 à bombe 2. Là, le souci, c'est que il savait qu'il était en retard parce qu'il a eu un problème de mètre, qui est numéro, du coup, forcément, il a voulu speeder. Ouais. C'est ah oui, c'est vrai. Et oui. Ce problème de manette, elle l'a pas arrangé. Et qu'il aura pas son Devil Deal. Probablement. Ça va être chaud. Ah ouais, ça va être compliqué. Hein. Allez, utilise ta pelle. La bombe 2, c'est safe. Ah oui, arrête de. Voilà. Oh là là là. Oh. Oh non. Le trou. Bon, je pense que s'il crève. Bah, s'il crève, oui, c'est. On peut couper la race, hein, je pense que. Mais par contre, Pissingay, c'est ce qui va arrêter. Oh putain. Oh, il est intérieur. Je vous assure. Ah, sinon, je vais pas être content. Je vais lui dire si son adversaire forfait quitte la race, ça veut dire qu'il faut qu'il arrête. Ouais, plus qu'un demi-coeur. Prochaine. Je pense que. Ça sent le DC. Ouais. Au moins, il est war. Oh, laissez-moi dormir. Mais il a déjà été là-dedans, non? Oh la vache! Oh! 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 Ah non! Bon, allez, on va s'arrêter là. 4 minutes, ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Ah, quoique! Tu as eu des runs de 5 minutes, hein? Voilà, c'est plus. Il faudrait partir avec un Mega Blast. Parce que Messi. Tout seul. Ah, tiens, la gueule. Et Yo McClure. Je pense que je peux leur dire d'arrêter. Ouais, on va un message. Over, guys. En étant poli, hein, s'il te plaît. Bien sûr. Oui. Toujours. Ah, alors que Slash est déjà prêt. Hein. Ah, il est chaud. Ouais, Slash est déjà prêt. Je pense que les deux sont partis. Oh putain, mais quel enfer. C'est... Quel enfer. Ah, il a l'air de s'être arrêté. Ah non. Non, il s'est pas arrêté. Merde. Kimuro non plus, en fait. Oh putain. Oh, mais quel enfer. Bon. Faut stopper, monsieur. Je suis dans le chat de Kimuro. Tu peux stopper. Surtout avec un start choco. Bon. Bah, qu'en pensez-vous, messieurs, de ce match qui est le meilleur match du league pour l'instant, de loin? Oh là là. Ah ouais, mais que voulez-vous faire comme ça? Kimuro qui a pas l'air de voir stopper. Les deux, mais. Ils sont chauds. En plus, il prend pop, Missing Guest. Je t'avoue que. Ouais, c'est. S'il décide de continuer, on est pas dans la merde.
Je vais être bonne. Qui a dit ça? Tu reprends. Oh là là. Terrible. Oui, il y a un autre match. Alors, c'est en best of 5, donc il y a un autre match, quoi qu'il arrive. Et derrière, il y aura Slash contre Matt. Est-ce que après on pourra faire un BO16 avec Zach? Oui, bien sûr, mais je ne serai pas, j'irai dormir. Ah bon? Oh. Oui. Aucun intérêt du coup. Bon. Non mais ils sont partis ils sont partis pour y aller là. Et je pense qu'ils ont pas lu les règles, du coup ils savent pas qu'au bout de 20 minutes ça s'arrête de base. Oh putain, non mais vraiment. Bon, rappel pour tous les participants, au bout de 20 minutes, on stoppe le match. Slash a un bon niveau. Ah, il a un niveau correct. Il a un niveau correct, on va dire. Je pense qu'une obligation Discord serait nécessaire pour ce genre de choses. Ouais, ouais, je pense que... Ça, c'est quand même assez... On va changer un peu, ouais. Je pense que... C'est assez emmerdant, en vrai. Hein. Là, ouais, pour le coup... Pas se mentir. De personnes qui sont pas sur le Discord, du coup, qui regardent pas leur chat. Ce qui est logique en raissant, on peut pas leur en vouloir, mais... Ouais, mais bon, après, on avait dit 20 minutes de race, t'en regardes quand même, quoi. Bon. Bon, quoi qu'il en soit, c'est terminé, hein, de toute façon. Oh, qui chope Polymantle, oh là là, non. Ouais, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même terminé, vu le temps, c'était 20 minutes de base. Ah, Kelly meurt. Check le Discord. Peut-être va-t-il s'arrêter. Peut-être enfin va-t-il s'arrêter. Oh putain, s'il te plaît, Kali, continue pas. Sans deck, sinon ça veut dire que t'as pas eu les règles, sinon je vais m'énerver. Putain, mais non. Putain. Oh, j'en ai arrivé à disqualifier les deux. Oh putain. Non, mais 20 minutes. Alors, juste pour les prochains runners, 20 minutes, c'est stop. On arrête à 20 minutes. Bah là, on est passé 20 minutes en tout cas. Je pense que ça se voit que je suis saoulé. Ça va. C'est un bon moment. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Oh là là. Oh, mais je reviens, si on va aux 30 minutes, franchement, j'arrête le match. C'est bon, stop quoi. Bah, au pire, Non, mais je sais pas, il y a des règles, faut les lire quoi. C'est vrai, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Chigan. C'est pas. Ouais, voilà, j'ai pas envie de faire mon rabat-joie, mais si tout le monde fait ça, on s'arrête plus quoi. Les matchs durent 4 heures. C'est bon quoi. Pauvre Scare, le reporter sur Billy Billy. Ouais, spécial. Attends, bien de pas Scare. Scare ne lâche rien. Alors, franchement, oh, mais... Scare arrive à faire arrêter la race à Missing. Ah, c'est ouais. Le héros du. Ah, alors qu'elle est arrêtée déjà. Ah non, mais faut l'arrêter. Faut l'arrêter, le monsieur. Bon, on va déjà tirer au sort prochain perso. On va faire ça, ça sera fait. Oh putain, Blue Baby. Putain, mais... Bon, Blue Baby. On va demander déjà s'ils sont d'accord. Bon, enfin, on va demander dans 20 minutes, quoi. C'est... Non mais attendez, on va faire un truc quand même. Je vais mettre les règles. En français, je vais mettre les règles en anglais. Je vais mettre Non, c'est pas ça. Et je vais mettre une capture d'écran, je vais dire respect this quoi. C'est bon quoi, merde. Mais tu as déjà les règles en anglais, non, il me semble. Oui, les règles sont en anglais. Oui, j'ai déjà lu le règlement du beat. Que tu avais fait en anglais et en français. Je sais pas. Ah, là c'est écrit. Quoi no. Quoi no. Eh oui monsieur. Oh, ouais la mystique il va aller au bout hein. Heureusement.
moyen de l'arrêter. Ah, Blue Baby, c'est non. Ah, Blue Baby, c'est non, c'est Veto. D'accord. Napoléon. Bon, Napoléon, ça devrait être oui. Non, je sais pas les chiens. Napoléon. Ouais, non, mais on va la 30 minutes, hein. Putain. Ah, oh, mais c'est chiant quand même, quoi. C'est... Il y a des règles, elles sont faites pour être plus, quoi. Tu chpites rien en anglais, c'est vrai. Ouais, mais il y a accent français aussi, quoi. Mais au moins, je sais quand c'est écrit en anglais. Fédéric, c'est quand même foot. Malin des images. Jusqu'à Best Band 2. Ah, mais je vous assure que c'est chiant, quoi. C'est ça le truc, il y a d'autres matchs derrière, quoi. Bon, bref. Petit coup de gueule de ma part. Je pense que faire la tournée sur Ronsar, ça aurait été mieux. On a pas eu de problème. Ouais, faut le dire à un missing que si son adversaire quitte la race, va arrêter. Parce que je sais pas si le numéro qui quitte la race. Ouais, puis... Je pense. Non mais après c'est pas forcément un problème qu'il soit pas en vocal, mais au moins qu'il ait le chain textuel, quoi. Un moyen de communication, oui. Ouais voilà, parce que enfin, là c'est impossible. Et Zamil, il a réglé le problème avec les Chinois sur les SimPlus, parce que des fois t'avais les Chinois qui se faisaient forfait, enfin bon, pas en non, forfait. Non, ça a pas l'air de... ça a l'air d'être bon, mais... Ouais, donc voilà, donc, quand Missing voit Calimero quitte la race, il devrait tilter, quoi. Mais il a pas quitté la race, hein, Calimero. Bah, il est tour deuxième. Il est tour deuxième. Non, il est first. Hein. Non, non. Ouais, je veux dire, Missing est. Ouais, ouais, mais après, Kali, au moins avoir un moyen de voir qu'il y a un problème, quoi. Après, là, le problème, il n'y a pas forcément de toi, mais. Ouais, bah, ouais, Calimero, mets-toi en vocal pour la prochaine. Ce serait la moindre des choses, ouais. Ouais, sinon. On va pas s'en sortir. Bah voilà quoi, si après on a re un cas où le perso est pas bon, maintenant je coupe le match quand on passe à la suite. Hein, parce que sinon. Non, mais le problème c'est que Kimero a déjà forfait la celle d'avant et puis ça a pas fait tilter Missing Pies. Ouais, non mais. Yes. Kimero est avec Slash SP actuellement, je viens après le mien. Bonjour. Les grands se rencontrent. Alors que tu crées un nouveau salon vocal. Ouais, ça va bien. Ouais. Bah, tout. C'est... Bon, enfin bref, quoi. Non, mais ça c'est pas un problème, le problème est là, ce qui est chiant plutôt, c'est qu'on a perdu une demi-heure sur la race, quoi. Mais c'est pas de ta faute. Bah, c'était plus chiant pour toi, en fait, Caillou. Voilà, ouais. Bon. Enfin, voilà, quoi. Oui, voilà. Ouais. Ouais, il doit pas regarder son chat. Non, mais il regarde rien, là, il est parti. Putain, c'est chiant, quoi. C'est quand même chiant, faut le dire. Putain. Oh, ta gueule. Oh, ta gueule, Viking, voilà. Prends Bob's Brain. Pourquoi il prend Bob's Brain? Oh, mais laissez-moi dormir. On espère qu'il va pas mourir. S'il meurt, c'est l'enfer. Hein. Oui, c'est vrai. Ah non, mais si on recommence, je mets Kali gagnant. Franchement, hein, si on recommence, je mets Kali gagnant. Je vous fous.
Les règles, faut les lire, quoi. C'est... En plus, en mettant Calimero gagnant, on aura la chance de pouvoir voir du beau jeu par la suite. C'est sûr. Du coup, t'as tiré au sort ou pas les... le set et tout? Ouais, ils ont été tirés au sort. Blue Baby... C'était Blue Baby... Ah, ouais, non, Apollyon. Apollyon, il reste plus pour le set. D'accord. Tu mérites pas, ouais. Enfin... Faut pas dire ça. Oh là là là. Bon, honnêtement, sur la deuxième, ton problème de matnet, il t'a pas aidé du tout, quoi. Ouais, ouais, ça aide pas non plus. Unitoc. Ouais, mais sur les lecteurs de règles, si, un peu plus, en tout cas. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Là, c'est le prof qui parle. Moi, je t'aurais déjà filé 2 points, hein. C'était que moi. Putain, mais en plus, il faut le pire, quoi. Je t'aurais déjà foutu en finale. Non, pas en finale, mais deux fois les mêmes problèmes, quoi. Les mêmes problèmes parce que... Missing Ice ne seront pas disponibles à la communication. Et, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ah ouais, par contre, après, s'il y a un problème... s'il y a un problème, c'est disqualification. Là, ça fait quand même 2 fois de suite. Ouais, vu l'heure, c'est bon, c'est stop. Au bout d'un moment, voilà. Enfin, tu trouves une solution ou tu essayes de lire ton chat quand c'est arrivé une fois. Mais là, non. Il y a d'autres matchs derrière, quoi. Faut se dire ça aussi. Hein. Là, on va dépasser les 30 minutes, en tout cas. En plus, donc bon. Ça aurait tilté, quoi, à un moment. Mais c'est une opie, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dit. On a dit stop, il doit avoir 78 notifications là, franchement. Il a dit sur Discord, sur son chat, il y a Skir qui s'en occupe. On y a dit partout. Oh putain, puis pendant ce contact, oh là là. Oh putain, c'est pas vrai. Eh non, par contre, s'il crève et qu'il recommence, Kaimiro, tu prends le match. Hein. Sans deck. Hein. Voilà, c'est. On va en arriver là, tant pis, mais bon. En soit, ce qui se passe, c'est que tu passes au match suivant et puis Calimero verra avec son adversaire de finir le dernier match, puis basta. Ouais, au pire. Paris cast et puis basta. Ouais, ouais, on pense que là, sinon. Putain. Ouais, c'est emmerdant pour tout le monde, là. C'est ça le truc, quoi. Alors, quel est notre prochain match? Rappelle-nous, Shigan. Bah, Missing Days contre Calimero au round 3. C'est vrai. Le troisième et le dernier match. Peut-être, je sais pas. Ça dépend si Calimero gagne. Slash SP avec... Contre Mouette, ouais. Contre Mouette. Je vais tatillon sur la règle, je préviens. Bah, non, il est chinois. Oui, Slash est déjà prêt, donc... Je vais tellement retweet le match, je pense que... Il n'y aura pas de problème. Oui, bah Slash et moi, je me fais pas trop de soucis. Ça c'est sûr. Je fais vraiment pas de soucis. Ça se passera bien. Putain. Ah, puis son chest, il dure 50 ans, j'ai l'impression. On note l'effort. Mais je sais pas, ça fait pas de tilt qu'au bout de 30 minutes, chinois ou pas chinois, qu'on se dise ah ouais, non, on peut-être que j'arrête. Je sais pas pourquoi il a pas de tilt quand son adversaire a quitté la race. Quoi. C'est... Soit il y a encore des bugs sur SM+, et ça le met. Ça le fait déco. Du coup, il est complètement. Bah, il ne sait pas, il a pas de repère. Ou soit ça me. Soit il regarde pas, c'est tout. Non, je pense qu'il regarde pas. Plus, il est en plein écran, il voit rien. La bonne nouvelle, c'est que tu vas tuer Blue Baby. Vous savez, Lost Contact, hein. Lost Contact, ma gueule. Putain, non, dis pas ça. Si, non, mais c'est pas une blague, il y a vraiment Lost Contact.
Je sais, mais je veux dire, me dis pas qu'il va mourir. Ah non, mais s'il meurt, j'ai dit, on passe à la suite. Non. Attends. Il y a le Deadbird, c'est bon. Non, et puis en plus, il y a le vert là, qui fond sur. Sur Blue Baby à tout va, non. C'est trop craqué. Il ne peut pas mourir. Je vois pas comment il peut mourir là. Oh là là. Voilà, bon, on aura perdu 35 minutes dans l'histoire, c'est tout cool. Je le prends bien. Tout va bien. Il y va. Et bon, voilà. Voilà, incroyable. Il a le chest. GG, amazing. Il n'a pas les... Bizarre, il n'a pas les coupes et... Il n'a pas la coupe, il a le chest. Ah, c'est bon. Non, mais... Oh. Non, mais... C'est des coupes. Non, mais c'est Missing qui a la tourné sur Discord. Ah. Oh. Ah. Ah oui. Bonjour. Je pense que c'est clair. Hein. Bon, bref, tu crées la race Apollyon. Alors, Apollyon et Sisson, qui est déjà. On va voir. Apollyon. Voilà. On va pouvoir enfin avancer. Putain, si c'est un CD Jacob Zedor, je vous aime. Ou Choco. CD Choco. Ce serait terrible. Il faut qu'on sur le chat. De quoi ? Ils sont cons sur le chat. Ok, ils sont bons pour. La prophétie commence, idée. Oh putain, docteur Fetus. Bon. Et Blue Baby Chest. C'est la deuxième ? Je sais plus si c'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième, je crois. Donc c'est quoi? L'EM. D'accord. Lame. Ok, CD, Apollyon, Zélem, Dr. Fetus. C'est parti. JPP. JPP. Soirée de merde. Bah, qui le dis-tu? Ok. Voilà, je pense que ça résume tout. Oh la vache. Non, je lui ai dit d'ouvrir Discord. Je lui ai dit de laisser Discord ouvert. S'il y a vraiment un problème, on stoppe le match. Hein. C'est, franchement, les règles, faut les lire. Quoi. Un moment, les règles, elles sont là, c'est pour être plus. Quoi. Et il n'y a pas 70 000 règles. Hein. Bon voilà, bon à voir. En tout cas, bon, Docteur Fetus, moi j'aime bien, perso. Non, j'aime pas. Voilà, voilà ça. On voit les runners ce qu'il est et le runner Lucky. Je suis bien sûr un runner Lucky. C'est... Bon, j'ai demandé à Missing s'il entendait le bruit de forfait de Calimero et il répond pas. Donc c'est très étrange, j'ai l'impression qu'il a pas le chat sur le RP plus. Donc... Bon, en tout cas... Je lance. Bon, en tout cas, on va voir. J'espère que ça va continuer. Sinon, je stream donc Star. Enfin. Ouais. J'ai tout ça avec impatience. Ce jeu de l'amour. Ouais, donc apparemment, il entend pas. Quand... Ah non, mais j'ai dit de laisser ouvert Discord, donc honnêtement, on avisera, mais s'il y a un problème sur la run... Ah, je lui ai redit aussi. Ah, c'était juste pour savoir, parce que s'il entend le R+, c'était chelou. Quoi. Parce que les deux vont partir en même temps de mon côté, donc je pense que je vais faire un post-play chez Calimero. Ah. Allez, c'est parti. Oula, j'ai du retard aussi sur Calimero, du coup. Ouais, du coup, avec ses péripéties... Ouais, même avec les notifications sonores de Discord, c'est... En tout cas, Calimero est parti du bon côté. Ça peut être une autre connerie, quoi. Vous avez pensé au TTS? Non.
Pour sauter tes swims, il est pas sur Discord. Enfin, il est. Ouais, je sais pas. Le tiers up qui est pris. Peut-être pas une bonne idée. Le tiers up, si. C'est pas dérangeant avec. Ouais, c'est pas ouf non plus, hein. Il est parfaitus. Hein. Après, il y a les cœurs bleus. Hein. J'aurais fait la même. Les cœurs, ouais. Ouais. Par contre, il y a des clés. Hein. Aller voir les tableaux, c'est peut-être pas cool. Parce que la ferme ici, il y a ce cœur. Ça fait une grosse sale affaire quand même, hein, pour aller voir. Ouais, 4 bombes à poser. Missing Yes, qui... ah, oui, il va aller voir. C'est un épicac, bien sûr. Ok, en cœur, ils sont plutôt bien. Hein. Ah, c'est pas terrible. Ouais. Et là, c'est pas terrible, je crois pas que ça marche en plus. Donc... Ouais, ils sont plutôt refaits en cœur. Ça devrait bien se passer normalement. Ouais. Alors, le shoot speed à pas prendre, hein, du coup. Dave dit de merde. Faut reroll tout, je pense. Non. Visage, je la prendrai pas parce que là, regarde, ça te fait perdre un reroll. Ouais, non. On peut être Guppy. Guppy, docteur. Ça ne sert absolument rien. Ouais, honnêtement, j'aurais tout reroll, moi. Ouais, j'aurais pas pris le shoot speed. Shoot speed avec Dr. Fetus, c'est dramatique. Hein. Ouais. Ivana. Bonjour, Ivana. Et bonsoir, Ivana. Ouais, shoot speed, Dr. Fetus, c'est vraiment très mauvais. Les deux l'ont pris, hein, je crois, shoot speed. Non, oui, les deux. Qui n'aura pas pris si, si, ils ont 1,16 de shoot speed tous les deux. Alors, ouais. Ah ouais, je crois qu'il l'ait pas pris. Ouais. Après, en 6D, le problème, c'est que ça donne une carte. Et si c'est une c'est la baisse, ouais. Ils ont une run pas terrible pour l'instant, en tout cas. Moi, je sais que je prendrais pas le shoot speed up, mais si ton adversaire le fait que c'est une empereur, bah, t'es baisé, quoi. Dans un sens, pourquoi pas. Quoi. Ouais, je l'aurais pas pris quand même. Pareil. Mais. Ça aurait été le meilleur. Oh oh! Est-ce que c'était vraiment le meilleur avant? Ça m'a tellement mis en PLS. Ah, son. Il est sympa son Rag Mega là. Ok. Ah, c'est bon. Faire attention à ses cœurs quand même, parce que. Il a perdu beaucoup de vie. Sur l'étage. Il s'est fait encore toucher. Attends, les salles, elles sont pas top, mais... Je crois que j'ai énormément de retard chez Calimero. Il vient d'arriver à l'item room pour moi. Ouais, ouais, mais le tracker dit ça avant, tu vois, c'est assez bizarre. Ah, ouais. Alors qu'il y a des copies pasta dans des spams, encore pire. Oh, voilà. Ah, incroyable, des vrais spams. Incroyable. Je suis heureux, sachez-le. Calimero. Ouais, il a du mal là, pour son boss. Ah ouais, Calimero, là, il a perdu beaucoup de vie. Il y a l'air, hein. Il y a l'air. C'est pas les boss très simples qu'ils ont aussi. Hein. Non, et puis... Docteur Fetus, c'est pas un item qu'on a l'habitude de jouer... quand on n'est pas vraiment... excellent sur le jeu. C'est malin. Très bien, Sucubus. Et très, ouais, très bon decision making en tout cas. De prendre la tête, ouais. Voilà. Kaimer ne le fait pas, c'est dommage. Beaucoup de joueurs qui pensent pas à prendre la tête de Krampus alors qu'ils ont ce coup de bague. Ouais, ouais, bah ça, je suis un de ceux qui pensent pas, hein, perso. Ouais. Non, tu peux le farmer, Oscar, je pense que. Bon, de toute façon, il regarde pas, il regardera pas son chat. Avec la Discord d'ouvert. Bah, j'espère qu'il a retenu la leçon, on va voir sinon. Bah, après, là, je pense que voilà quoi, ça devrait être. Il a beaucoup de vie. Ça va se finir en moins de 20 minutes. Bon, je dois bien t'avouer que j'espère. J'ai pas pu le gâcher. Là, le rapport de force, c'est quand même du côté de chez Miss Mies. Hein.
Est-ce que vous entendez la musique derrière moi? Non. Non. Ah mais c'est la mienne, attends. Non, c'est... Incroyable. Pas Calice, vous pouvez toucher, hein, c'est ça son problème principal. Ouais, et puis tout le fait tu sais pas, c'est pas ce qu'il y a de plus safe. Non, bah, s'il aime pas après. C'est pas évident à jouer, Docteur Fœtus. Ils ont pris aussi un shot speed up au début, ça te pas. Ah, le Dev 2 qui est relativement court. 3 salles, ouais. Rien du tout dans le Devil Deal. Ça a tellement servi! Totalement. Ah oui, c'est vrai qu'il vous jusqu'à Zolem. Alors par contre, ouais. J'ai fait la même réflexion. Ouais, c'est là. Le rule 7. Hein. Par contre, Kali peut crever. Hein. Ouais, un demi-coeur. Ça commence à devenir compliqué. C'est bon. Ils ont pensé situation négative. Il n'y a pas de pelle, ça tombe bien. Le shot speed n'aide pas avec Dr. Fœtus parce qu'en fait le shot speed fait que tes bombes vont rebondir sur les murs et tout ce qui est parois, les rochers et tout, et ça te revient dans la gueule, c'est un peu chiant. Voilà. C'est comme avec la range. Comme voilà. On vient de voir chez quel numéro là. Et la commu chinoise adore la range et le shot speed. En gros tu balances une bombe, elle te revient dans la gueule, mais vraiment. C'est ça. Moins évident à jouer. C'est pour ça que même les tears up qui font shot speed up, on les évite. On évite, ouais. Les tears up avec Docteur, t'en as pas vraiment besoin. En tout cas, pas mal d'avance hein, du côté de Missing Yes. Mmh. Oui, très bien. Ouais, bien il est plutôt à l'aise. Hein, Ouais, il joue bien, il joue bien. Mais après, ce que tu disais hein, tout à l'heure en CD, il est pas mauvais. Hein. On va voir un peu. Si jamais ils l'emportent, ce qui devrait être le cas maintenant, ouais, là, c'est... Magardi, boss à la con. Pourquoi chercher son... Non, du resto, hein. Ouais, non, j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va donner, quand même, contre After. Prochain match. Si jamais il l'emporte, mais... J'avoue, c'est quand même plutôt bien parti. Je pense qu'on peut le dire. Après, Crafter sera favori, hein, en gros. Donc Crafter... Un des favoris, hein. Il a gagné le mini-beat. Donc, C'est un monstre. Hein. Ouais. Mais bon, ça qui a gagné contre lui, hein, rappel. C'est juste reminder. Non, pas Death Touch. Non, pas Death Touch. Ouais. Ouh. J'ai eu peur. Après, Death Touch, il sait jouer, c'est pas... C'est pas bon, avec Dr. Fœtus, c'est pas bon du tout. Pouvoir, moi je pense à le prendre. Crafter Favori, voilà. Ça qui rappelle hein, que c'est lui le patron. Le bon blog. Crafter Favori. Ce random. Le name. T'es qui dans le Discord, mec? Moi, j'ai un world record sur civilisation, mon gars. Crafter Knife. Sack Knife. Ouais, c'est le piercing. Alors, par contre, bon, c'est bon, il a retrouvé des cœurs noirs. Parce que, ouais, ça va aller mieux. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Peut-être qu'il farme son dé. Il a repris l'UPZ de Kenero. Non, moi je pense qu'il forme sa tête de Krampus plutôt. Peut-être. C'est pas con. C'est pas con, effectivement. Pas son dé, mais sa tête. Il l'a fait tout à l'heure là dans l'étage d'avant. La phase 2, tu peux la faire plus simplement. C'est vraiment pas con. Ou la phase 3, hein, parce qu'avec Dr. Fœtus, la phase 3 elle est pas gratuite. Hein. C'est vrai. Je pense même que la phase 3 serait plus utile. Ouais. Qui sera phase 2 finalement. Ouais, bon. C'est... Pas si aussi que ça, je parce que sur la phase 3, c'est pas évident à poser quand même. Ouais. Le pied reste pas longtemps. Ouais, c'était bien. Quand même. La phase 3.
Ah oui. Bon, phase 3, c'est mieux, clairement. Ok, on va arriver à Dark Room. Ah oui, excellent. Très... Ah, Monstros Touf, à la place de Campus Z, j'avoue que je suis dubitatif. Parlons bien, parlons sérieux, est-ce une bonne idée? C'est peut-être un peu leur piggy bank. En Chine, ouais, peut-être. C'est un hommage à Sac. Peut-être. Ah, c'est bien pour la tête. Non, ouais, bon, celui-ci. Couteau, ok. Bah, le knife, ouais, pourquoi pas. Ah, j'aurais pris le. Dry Baby. Ouais, il s'en suffisait, ouais. Ça peut être simple de terminer hein, le run là. Tout à fait. Bon, maintenant, crève pas quoi. C'est sûr. Fais pas le fou avec ton knife. Balance des bombes, s'il te plaît. Tu me fais peur. Je vois des gens qui sont morts. Je vois des gens qui jouent à la PS Vita. C'est impossible. Hommage. Bon, il arrive à The Land. Incroyable. Ça devrait le faire. Je pense qu'on va avoir un petit sucre des familles. Oui, mais Calimero, il a pas démérité hein, sur son match. Hein. Après, il y a eu des conditions aussi. Hein, Bah. Oh putain, il va crever. Non. Putain, il va crever. Non. Si, si, il va crever. Il va totalement crever. Mais non. Mais non. Je dis ça parce qu'il est asiatique, c'est moche que tu fais. Ah, j'ai rien dit. Il va crever. Ah. Il va tellement crever. Il va tellement crever. Ouais, il prend le cœur. Non. Oui. Oui. Arrête de te faire toucher, s'il te plaît. Oh. Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, putain. Ah, vas-y, Calimero, ne lâche rien. Tu as 7 minutes pour finir. Oui. C'est... Just do it. Oh, putain. Ouais, 7 minutes pour finir. Par contre, s'il recrève, c'est dur. Il va. Si Calimero meurt, it's over. Ouais, Calimero s'en est sans entre ses mains, mais il a 6 minutes. Putain. Je pense que ce match est un best-of, en fait. Tu vois, t'avais un trash talk TV, là. Mm. Pourquoi il a pas collé au couteau? Il avait pas dans le polar. Ouais. Effectivement, c'est une question. Non. Si Calimero... ouais, non. Alors, par contre, parlons sérieusement. Si Calimero bat The Lamb... Et que notre cher Missing Yes n'arrête pas sa run, Calimero gagne le match. Hein. Point. Voilà, je suis arbitre, c'est ce que je veux dire, j'en bats les couilles. Tu vois, c'est. Ah là là, Missing, tu n'as pas de timer. Et voilà. Oh, dis hein, écoute. Là, c'est encore mieux, je suis même pas en face finale. Alors merde. Oh là là, le sous-marin Calimero. Ouais, enfin, il s'est beaucoup touché quand même. Hein. On va se faire toucher par une mouche, par contre. Ouais, et c'est un peu dommage. Ah. Non, la run n'est pas simple, c'est clair. Oh, docteur, on se fait vraiment chier. Non, ils ont pas une run de fou. Hein. Bah, prends le Dark Bomb. Non, Dark Bomb, non. Mais il copie. Mais non. Mais oh non, mais non. Ça sert à rien, mais les gars. Mais non, il fallait prendre Dark Bomb, faut que le sous-marin. Mais... Oui, mais Dark Bomb l'a tué la dernière fois et il s'en méfie maintenant. Et... Ah, voilà, c'est dommage, méchant. Il aurait pu. Hein. Avec le Dark Bomb, il aurait pu remonter, je pense. Ouais, il a 5 minutes là. C'est tendu, mais. Par contre, faut qu'il respecte la limite de temps, hein, sinon. Ça va pas le faire, hein. Je suis pas bien. Hein. Enfin, la musique résume tout chez moi. Non mais s'il aurait pas dû prendre Guppy, c'est nul.
mec docteur hein, par le haut. Mais... Je pense quand même que ça va être dur, hein. T'as une salle dans 4 minutes. Non, c'est chaud. Ouais. Ouais, ça va être dur, je pense que ça va être un petit 3-0. Il prend de la range. Bonne idée. C'est pas lucide, là. Matt, je t'ai vu dans le chat, tiens-toi prête. Slash est déjà prêt, il est prêt, il est chouvou depuis une demi-heure. Je pense que. Ouais, ouais, la Cali va crever, hein, donc je pense que. Ça m'étonnerait, hein, j'ai beau croire en Cali, je pense que là, c'est, ça pue la mort. Hein. C'est 3-0 Ah, ouais. GG. Erdman plus. Pourquoi il est écrit Erdman plus C'était compliqué, mais on a réussi à nous secouer. Bon, la suite. Bon, je suis désolé, hein, mais là, ça m'emmerde. Voilà. La suite. On passe à la suite. Je pense que Missing Guest, il est parti pour continuer en plus. C'est le pire, alors. Bon, je vais dire, prochain match, fais gaffe, hein, par contre, sinon. Allez, Slash contre Mouette. Dernier match de la soirée. Bassiste. Je vais pouvoir reprendre un setup correct. Ah, est-ce que Missing Guest s'est arrêté? Oui. Oui. Oui, oui. Il s'est arrêté. Incroyable. Ouais, on va faire ça. Bon, bah voilà. En tout cas... On a le temps pour une petite interview, mais quoi, Nars. Oh, oh.